actuellement. Effectivement, j'en ai annoncé là. Gagné. Allô? Thunder, ou en direct? Oui, j'en ai dit, et Jean-Pierre Ounel saute souligné, gagné la Maison Blanche qui mettait bouche dans la cause et prend très au sérieux kidnapping 17 missionnaires, yo, parmi yo 16 Américains, yon Canadiens. Dans yon conférence, équipe Bayer, dans Maison Blanche, côté te gagné, et porte-parole Maison Blanche, l'antienne Saki, qui te gagné avec lui, conseiller sécurité nationale, là, Jake Sullivan, yo tap abordé plusieurs sujets, et nous connaît, journaliste, yo pas raté occasion, ça, pour pas poser question, sous, otage, missionnaire, yo, et faut que nous dire que pendant les conférences, Monsieur Jake Sullivan lui dit que États-Unis a déjà envoyé depuis dimanche qui s'est passé là 3 agents FBI et après premier déploiement ça États-Unis déjà envoyé une quantité importante de agents qui spécialisés dans question récupération otage mais tout des spécialistes qui dans question force load. Alors Conseil sécurité nationale là lui dit que équipe sa yo qui rive en Haïti a yo gagné yon objectif. Objectif là, c'est travail nan tête collée avec gouvernement haïtien mais tout avec famille victime yo, yon façon pour capable essayer coordonner et puis organiser yon récupération. Si nous quoi officiel américain, administration Biden nan li actuellement là a examiner toute option qui possible yo yon façon pour yon capable joindre libération otage. Ça veut dire sous table là gagne toute option. Pendant n'a parlé de toute option, hein, gagne des informations qui te circulé dans des médias en Haïti ou bien sur réseaux sociaux qui te fait quoi? C'est des forces militaires que autorité dans Maison Blanche ont annoncé. Faut qu'on dit pas dans conférence ça que nous t'app suivre et nous pas tenter pas gagne aucun côté. Conseil de sécurité nationale a été mentionné force militaire. Il était mentionné que yo gagné pour objectif libérer otage, c'est peut-être ça yo voyé en plus de agents FBI yo, des agents qui spécialisés nan al récupérer moun qui prend en otage après kidnapping. Donc Jake Sullivan nan intervention là, il dit que gagné moyen que a mettre en place là y a mettre toutes ressources disponibles de façon pour objectif yo gagnant pour yo capable atteindre. Parallèlement, Conseil de sécurité nationale a dit que c'est un dossier qui ont été cas sensible, il a gardé pour yo ouais si yo capable moyen avec un pile précaution et pour pas gagner trop dommage, je dis que yo voulait atteindre objectif là, c'est vrai mais et objectif là et globalement c'est faire moun yo tourner la caillou en toute sécurité j'ai au quartier en créole pour yon crène nan branche cheveux nan tête yo et paraché et Jake Sullivan dit que c'est son situation qui préoccupait président américain en pile Joe Biden particulièrement situation ti moun yo. Joe Biden dit lui-même li concentré en pile sur moun yo particulièrement ti moun yo 5 ti moun parmi yo gagnent yon ti moun 8 mois, bagay sa bay Joe Biden en pile problème, c'est peut-être ça. Jake Sullivan dit, et lui-même, avec président, ensemble avec toute équipe qui est dans Maison Blanche là, il a toujours metté le chef de l'État au courant de tout ça qu'il a fait, et il a bay garanti qu'il a fait tout ça qu'on est pour capable de faire 17 missionnaires ça et rentrer la caillou, qui, depuis plus passé 10 jours, n'a même gang 400 Mawozo. Luxon, yo pa di comment est-ce que gen synergie entre yo même avec autorité haïtienne yo, yo pa di nan ki point et négociation yo ye avec autorité haïtienne yo sous question. Alors sous question négociation, Conseil de sécurité nationale la Jack Sullivan li pa bay et détail, li tout simplement annoncer ki sa yo même y a fait ki sa yo pral faire pour moun yo capable libérer. Il faut que nous disions que dans plusieurs conférences qui fait déjà, autorité américaine nous dit, yo même, yo pas négocié avec bandits, yo pas négocié avec gang, yo pas négocié avec kidnapper, yo pas négocié avec terroristes. Donc, nous seulement à
suivre et pour nous voir qui résultat ça a bail, mais en matière de négociation, autorité américaine yon ti kras prudent, ni porte-parole département d'état, ni porte-parole Maison Blanche et même conseiller sécurité nationale là, yo pas jamais mentionné que yo a négocié avec bandio. Mais sauf que sous question synergie, et conseiller sécurité nationale l'a dit que et c'est ensemble avec le gouvernement haïtien mais tout avec famille victime yo, yo pral travail sans pas oublier ambassade américaine qui déjà et qui a des équipes sous place en Haïti. C'est une synergie qui pral faite pour yo capable faciliter ou bien contribuer dans joindre libération moun yo. Maintenant qu'il y a plus de monde qui a posé cette question, est-ce que c'est des agents que moun pral wè visible? Est-ce que c'est des agents qui a petit crasse genre qu'on dit en anglais undercover, yo moun comme si pas pour yo avec zam, et est-ce que c'est des interventions musclées qui pral fait? Est-ce que gagne des infiltrations dans dans quartier 400 Mawozo qui pral fait? Autant de questions moun a posé pour nous connaître comment ça pral passer. Est-ce que moun yo y a prend en douceur? Est-ce que après on a des opérations tête chargée? En pile question à poser. Alors, il y a un pile monde là tout qui déjà fait recherche et sous comment unité ça ou bien agent spécialisé ça ou même de fonctionner. Agent ça a une spécialité pour al récupérer otage. Agent ça yo dans recherche que nous fait nous voit que c'est des agents qui utilisent des armes, gros armes, yo utilisent en pile tactique, yo utilisent hélicoptère, yo utilisent bateau. Donc ça veut dire tout côté otage là et tout moyen yo capable utiliser pour yo atteindre otage là, il a pu utiliser. Maintenant, il n'est que d'attendre comment ça va le finir. Est-ce que base 400 Mawozo va le faire face avec agent spécialisé ça yo qui gen opération va le dérouler? C'est ensemble de questions qu'on a posé jusqu'à présent. Toute option non, question toute option sous table là, nous capable comprendre mais il y a une information qui vient de nous en Haïti, qui dit dans Ohio, dans fief mission en même, missionnaire, responsable mission, ils ont mobilisé, ils ont même pour payer rançon. Nouvelle, ça arrive sous nous dans la Floride. Alors, faut nous dit que depuis le, ils ont kidnappé missionnaire, organisation, ça a acquis le Christian Aid Ministries, qui est dans Ohio, qui est basé. C'est sous la prière que moun yo même yo chita. D'ailleurs, depuis le kidnapping nan fait, gagnent et plusieurs journées de prière que responsable nan mission sa yo même yo lancé. D'ailleurs, gagnent une journée prière avec jeunes qui prévoit jeudi mercredi 27 octobre. Donc mission 1 yo plus moutro, oui, yo plus moutro c'est nan prière que yo la ki pou yo, yo vle mande kidnapper yo pour yo prendre conscience et bon Dieu a touché cœur yo. Okay. Mais toutefois nous dit dans dernière note que organisation publiée sous site que nous toujours essayer checker chaque jour, yo pas vle mettre accent seulement sur 17 missionnaires yo. Yo dit que gagne plusieurs moun qui en otage, plusieurs moun qui dans main gang yo kidnapper yo. Yo mandé pour tout croyant à travers monde là pour pas seulement prier pour 17 missionnaires yo, 16 américains avec yo canadiens, mais faut qu'yo lever l'autre haïtien qui n'a même gang yo qui en otage dans la prière, yo façon pour non seulement yo libérer mais pour problème gang ça, problème insécurité à kidnapping ça résoudre en Haïti. Et vous confirmez ça, yo dit gon cas déjà ken en mitan nèg yo, yo était condamné déjà pour vieux bagaille, vieux mess. Alors, n'a coucher ti moun piti et cetera, yo dit monsieur font pile de gars ici, ba on se confirmer ça. Depuis le kidnapping ça fait, il y a des informations qui a circulé et gagné un article que moi t'ai lu et effectivement gagné une même mission ça qui était impliqué dans un scandale sexuel et selon ça et une média américain qui était fait travail et sous un dossier ça était rapporté, c'est pas première fois que mission ça lit et qu'il y a des mamies qui a impliqué dans scandale sexuel. Donc c'est autant de recherches que mon a fait sous mission ça qui trouvait dans Ohio et il y a des monde qui estimait que son mission qui ont petit crasse, il y a petit problème là-dedans et il y a des monde qui estimait faut que tu aies plus recherche qui fait pour connaître
qui vrai objectif missionnaire ça a quitté rentrer en Haïti parce que yo qu'on habitué impliqué dans des scandales. Donc il était pour nous toujours continuer suivre organisation ça fond dit depuis l'enlèvement on a suivi site internet yo nous dans qui domaine yo intervenu c'est ça qui pays yo intervenu qui objectif yo mais nous même comme journaliste n'a suivi de très près évolution organisation ça et garder comparer toute accusation qu'a fait sous membre en tout cas et trouver une structure PRR guerrier si ta gain monde quelque part qui victime ici qui grand ti monde victime pendant nèg yo dans code dans même Mawozo là tout rivé dans paquet à fond plein one pour les libérations a fait là malveillant ça pour le payer parce que dit monsieur des fois missionnaire malveillant là-dedans pendant y a venir de nous trouver des têtes tout jeune petite demoiselle qui fait qu'a boutonner tété y a un petit garçon yo qu'on fait vasou yo donc yo dit gon malveillant dans mitan missionnaire et gè dossier pour lui et aux États-Unis approfondi pour nous et Lixon. Oui, Lexon Saint-Ville, dans l'autre situation de prise d'otages américains à l'étranger, qui option américaine est toujours priorisée? Est-ce que dans le cas haïtien, nous en face, même scénario a, et ça, habitué by qui ça? Alors, il y a une petite recherche que je fais. Unité, ça, c'est des unités, c'est des mondes qui travaillent dans des situations très délicates. Et il y a des fois, il même révélé qu'un otage qui qu'on mourir par exemple dans l'intervention mais objectif unité ça c'est prendre moun yo sain et sauf mais nous pas connait comment ça va le passer en Haïti alors faut dire option mettez toute bagaille sous table là et nous pas connait est-ce que après agent spécialisé autorité américaine yo pral passer l'autre vitesse maintenant yo te voyer agent FBI qu'on y a là au voyage spécialisé dans récupération otage. Maintenant si récupérer agent spécialisé dans récupération otage pas bas résultat, est-ce que pral rien de l'autre niveau que autorité américaine yo pral arriver dans dossier ça, il n'est que d'attendre. Maintenant et selon pile témoignage des monde qui a suivi question sécurité ici, c'est une unité qui très efficace. Est-ce que agent a voyé Haïti yo a capable bas même résultat que yo habitué bas dans de l'autre pays? Il n'est que d'attendre. Configuration Haïti, à configuration ghetto, zone côté 400 Mawozo, est-ce que l'agence a déjà gagné toutes données bien précises pour connaître comment il va le faire? Si on semble des questions qu'à poser. Est-ce qu'il y a bien des négociations en bas, sans monde pas connaître, et puis nous juste rester, nous t'as des otages libérés, et puis après, devant tout le monde dans le public, yo libéré? Est-ce qu'il y a bien intervention musclée, je ne sais pas. Il y a ensemble question qui était sans réponse, mais ça qui est sûr. Maison Blanche a annoncé gagner en quantité importante. On insiste sur ça. Il y a une quantité importante de spécialistes dans la récupération d'otages qui déployés en Haïti. Toute option est sous table là. Mais autorité américaine, jusqu'à moment où on a parlé, pas jamais sorti, pas jamais une autorité qui a une parole, ça qui saute dans la bouche. Li. Qui s'est négocié avec Gagnon pour joindre libération. Et même te gagné un parlementaire républicain qui te dit, otage, faut yon libérer sans que pas gagné un dollar qui baille. Nous connaît gagné l'amour sans jour que c'est chef 400 Mawozo qui te dit, depuis le pas joindre ça le besoin, l'a commencé tout yé américain yo. Maintenant, nous face à une situation qui est très délicate. Autorité haïtienne yo annoncé que négociation qu'a fait. Autorité américaine dit yo pas négocié. L'amour sans jour campé dans du, et il faut le joindre l'argent. Une situation compliquée, pas pile mon après t'étendre qui résulte à la paille. Révéler en quelconque participation, implication, autorité haïtienne, dans planification, opération ça, qui t'a qu'à permettre, en même temps que l'américain a privé sous bazar, ou même y'a profité pour rentrer. Alors, nous pas gain détail sous comment et synergie à lui-même l'a fait. Autorité américaine, nous parle bien du Conseil de sécurité nationale, la Jake Sullivan, a annoncé que agent spécialisé ça au cas de travail n'a tête collée à gouvernement haïtien, mais tout avec famille victime. Il a pas dit comment le bras le fait. Est-ce que bras le gain participation policier haïtien? Est-ce que c'est une opération qu'a fait uniquement avec agent spécialisé au FBI et de l'autre force qui sortit aux États-Unis?
est-ce que unité spécialisée dans la police, est-ce que pral gen participation policier haïtien, est-ce que c'est une opération qui a fait uniquement avec agents spécialisés au FBI et l'autre force qui sortit aux États-Unis, est-ce que unité spécialisée dans la police yo, qui par exemple n'a pas soit qui compte faire des opérations spéciales, est-ce que unité ça on va l'utiliser pas gagner réponse à question ça yo. Ça qui sûr c'est que 17 missionnaires yo en otage, ça gagne plus passé 10 jours. L'homme sans jour dit c'est l'argent pour yo bali, il menace pour commencer tuer yo. Et autorité américaine yo, au plus haut niveau montrer que yo prend très au sérieux situation ça, particulièrement président Joe Biden qui dit fuck moun yo tourner la caillou sain et sauf. Et il dit qu'il est très préoccupé particulièrement pour 5 timoun yo, et notre 5 timoun ça au grand timoun 8 mois. Donc Joe Biden clair sur ça, faut gagner et faut qui renforcer souterrain en Haïti pour capable joindre libération moun yo et permettre que yo rentre la caillou sans un branche cheveux dans tête yo parage. Merci en pile Lixon Saint-Ville, bon travail. Voilà, amis auditeurs, c'est avec Luxon Saint-Ville, correspondant permanent nous, depuis la Floride, qui a suivi tout bagaille pour nous. J'entendais, les États-Unis a étudié toute possibilité, d'ailleurs, toute option, déjà sous table là, pour capable, prendre 17 missionnaires sans un grain cheveux dans la tête, yo, paraché. Qui contribution l'État haïtien? Dans qui point l'État haïtien y est? Est-ce qu'il a fait en synergie avec l'État haïtien? Point d'interrogation, nous pas connaît. Mais c'est le bail, nous connaît, guerrier. Si l'édi fait prendre en rue des fonds forts, ou qu'on commet coco bec en bas. Dans certaines circonstances, le malheur est bon. On a tout profité de découvrir quelques magouilles en bachal. Donc, Nabdio, la contre un mauvais précédent, c'est d'aller payer l'argent pour libérer les missionnaires. On n'y a pas de support en qu'un blanc encore dans le pays. Par exemple, qu'un étranger qui peut venir marcher dans le pays d'Haïti. C'est pour nous prendre pile précaution pour faire l'argent même pour ne pas gagner. Donc, l'emdou, c'est dans certaines circonstances où après connaître Jean-Grand-Papa m'a dit, dans le chemin, j'ai un héros qui est choix le malin. C'est kidnapping ça qui fait nous découvrir parce que Ferret et son cholité. Parce que Ferret son fambré. Bon, bon, Zamdou là. Et parce que Ferret, même. Ou des bords des nets, parce que là, quand il prend refuge, après tremblement de terre. Et puis, ou même, moi, dépatia, et Babara n'aïta ça. Ou des autres, en pile, mettre. Il y a des gros blancs qui dépatient en bonne timoun. Timoun petit, pas bon ici, non, missionnaire. Et bah, il a lagué. Donc, je dis, parce que Ferret, il fait un pile de gars. Donc, c'est dans le kidnapping, on apprend ça. Bien que nous, contre kidnapping, non, vrai, sous toute forme, oui. Mais si pas de kidnapping, on ne peut pas connaître à quel niveau parce que c'est des ordres. Comme être là toujours, on fait bail, oui, pour le scandale là qui a éclaté. Donc, l'église a vint dans l'église crée. Et pas la madame Ouachin. Ouais, madame Ouachin, là. Tu vois, dès qu'ils sont passés là. On a accès dans l'église, soit madame, soit madame. Dès qu'ils sont passés là. Soit madame n'a rien l'église, pas sauf. Ça mitraille tout pour l'église. Dès qu'ils sont passés là. Moi, madame, je suis à droite, ma gauche mitraille. Au milieu, qui l'église? L'église crée, on parle de dégâts. Vous avez dit, madame. Bon, bah, ça, mais qui rapport madame Marie avec ça? Qui rapport madame Marie avec ça? Non, je sais qu'on est, parce que si l'église a été, l'église, on a soulié, on a senti bon marché, parce que madame Marie est là, comme d'ailleurs, il a passé férelle. Donc, pas pile dégâts. Et vous, bah, il va le balan encore. Vous désordre, l'église a tête en bas. On a les noms. On va se. Désordre, oui.